Bienvenue pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler de Dot the Game, mon dernier jeu, et on va faire un petit tuto pour voir comment on joue à ce jeu. Dans les commentaires sur l'App Store, plusieurs personnes avaient du mal à comprendre comment ça fonctionnait. Donc il y a quand même un petit tuto ici, là, hein. How to play. Bon, c'est en anglais, mais c'est pas bien compliqué. Je vais vous montrer avec le niveau le plus facile. Donc on va revenir ici, start game, le niveau easy. On a donc une grille de 2 par 2. Vous voyez que dans chaque case, on a un nombre. Ce nombre représente le nombre de points qui devraient être allumés autour de lui. Donc au niveau, si je prends la case en haut à gauche, j'ai 2 dedans. Il faudra qu'il y ait 2 points allumés autour de ce nombre-là. Ces 2 points, ils peuvent être comme ça, ils peuvent être comme ça, ils peuvent être comme ça, ils peuvent être comme ça. Ce qu'il faut savoir, c'est que là, les 2 points que j'ai inscrits là, ils sont en commun avec les 2 cases. Donc là, j'en ai bien 2 dans cette case. Ici, il m'en faut 3 à droite, en haut à droite. Donc, j'en ai plus qu'un à allumer. Donc là, en haut, j'en ai bien 2 dans la case de gauche et 3 dans la case de droite. Maintenant, on passe à la ligne inférieure. À la ligne inférieure, ben, j'ai ce point en bas, là, au milieu, qui est commun aux 2 cases. Il ne me reste plus qu'à en allumer 1 dans chaque case. 1 ici et 1 là. C'est une solution possible. Par contre, pour économiser le nombre de points, pour aller plus vite, eh ben, il me suffit de cliquer ici entre les 2 cases et ça marche. Voilà. On va faire une autre grille. Alors là, c'est facile. Il y a un nombre 4, donc il faut forcément qu'il soit entouré de 4. Et là, on a gagné de suite parce que ça collait bien avec le reste. Alors là aussi, c'est encore plus simple parce qu'il y a 4, 4, 4, 4, 4 ici. Et là, quand je vais inscrire le dernier point, il y en aura bien 3 dans la case du haut. Et on gagne. Voilà. Donc, si vous avez compris comment ça fonctionne, et bien vous pouvez ensuite essayer de battre le score hallucinant de Mister Dreux, qui a fait 508. Je ne sais pas comment il a fait ça, c'est énorme. Voilà. À vous de jouer en niveau expert.